Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une toute petite vidéo, une petite vidéo tag. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire le tag de Mademoiselle Blume qui est cette plante que. Donc c'est une vidéo qui permet de montrer des plantes qu'on oublie un petit peu, que moi-même, hein, j'avais oublié dans ma collection, j'avais oublié l'existence de cette plante. Bien voilà, c'est le moment. Donc je vais essayer de répondre à ces petites questions. La première question c'est, je dois vous montrer en fait la plante que YouTube ou Instagram m'a fait acheter. Alors, il y en a beaucoup hein, forcément, puisque en tant que plante addict qui va beaucoup sur les réseaux, bah forcément je suis très influencée. Il y a des plantes que je vois en photo qui me tentent énormément, enfin voilà, dont je connaissais pas l'existence, ou alors des plantes sur YouTube. Enfin bref, j'ai été énormément influencée. Là, j'en ai choisi une. C'est le Syndapsus Truby Moonlight, il me semble. Oui, je l'ai choisi celui-là parce que justement, c'est la créatrice du tag. C'est Mademoiselle Blume qui m'a influencée pour cette plante. Je sais qu'à l'époque, elle l'avait montré, je l'avais trouvé magnifique. Et j'avais un peu cherché sur le net et je le trouvais pas. Ou alors à des prix incroyables. Et je l'ai trouvé l'année dernière, non, 2022 il me semble, 2021, je ne sais plus. Et je vous en ai parlé lors d'une de mes premières vidéos sur cette chaîne, c'est la plante qui ne pousse pas. Et donc, bah voilà, elle est un peu frustrante. Bon, maintenant ça va un petit peu mieux parce que je l'ai un petit peu, je lui ai mis de l'engrais, etc. Je l'ai changé de place, je lui ai mis beaucoup plus de lumière. Et c'est vrai que c'est une plante de base qui pousse très très lentement. Mais voilà, ça répond à la question. Une des plantes que YouTube ou Instagram m'a fait acheter, là c'est clairement YouTube et c'est clairement Mademoiselle Blume. Ensuite, la deuxième plante qu'on doit vous montrer, c'est la plante commune qu'on adore. Et moi, j'ai choisi un syngonium que je vous montre tout de suite. Effectivement, c'est un syngonium qu'on voit un petit peu partout, mais j'arrête pas de le regarder parce que je trouve que toutes ces feuilles sont très différentes les unes des autres. Je l'ai acheté en supermarché. J'achète rarement des plantes en supermarché, mais parfois quand je vois une petite toute seule, perdue, abandonnée, ou une qui a un énorme potentiel, parfois je craque, surtout que c'est beaucoup moins cher. Mais par contre, évidemment, j'ai tout de suite changé le terreau parce que je me doute que le terreau de supermarché, ça doit pas être top. Surtout que ça reste très longtemps dans des endroits où il y a des courants d'air, etc. Enfin, je me dis de toute façon la plante elle est mal partie dans la vie. Et donc ce que j'ai fait avec celle-ci c'est que je l'ai rembotée et depuis elle va super super bien. Enfin j'ai vraiment l'impression qu'elle fait plein de nouvelles feuilles. Elle fait plus trop de feuilles jaunes, vous savez les syngoniums souvent font des petites feuilles jaunes à la base. Et je la trouve hyper fournie, hyper classe. Enfin franchement je l'aime beaucoup. Et effectivement c'est une plante commune qu'on voit un peu dans tous les magasins de plantes. Mais je l'aime beaucoup et j'en suis très contente. J'aime beaucoup l'admirer. Voilà. La troisième plante, c'est la plante que tout le monde aime, sauf moi. Et alors, il y en a une particulièrement, je comprends pas trop l'engouement qu'il y a autour de cette plante. Forcément, je ne l'ai pas, hein. Je ne l'ai pas craqué parce qu'en plus, c'est une plante rare qui coûte assez cher. C'est le philodendron José Bueno. Alors, je ne comprends pas, je vous mets une image là. Je ne comprends pas l'engouement pour cette plante parce qu'à chaque fois que quelqu'un la montre, je trouve ça laid, je trouve son port pas très beau, j'aime pas trop ses couleurs, je suis pas très fan de cette plante et je comprends pas qu'on puisse mettre tant d'argent dans une plante, mais moi-même j'ai envie de mettre tant d'argent dans d'autres plantes, hein, donc voilà, c'est chacun ses goûts, mais vraiment celle-là, à chaque fois quelqu'un achète la José Bueno en disant que c'est la 7e merveille du monde, moi je suis là, non, pas vraiment, je n'aime pas du tout cette plante, je sais pas si vous êtes aussi dans le cas. Alors, ensuite, la quatrième proposition de plante, c'est la plante que j'ai regretté acheter, regretté perdre et regretté donner. Je ne sais pas s'il faut choisir, mais je vais répondre à un de chaque. Alors, le premier, c'est un que j'ai regretté acheter. Je vais vite vous le chercher. Alors, la plante que j'ai regretté acheter, c'est mon philodendron squamiferum. C'est un philodendron que j'ai acheté assez grand, en plus dans une boutique de plantes pas fameuse, dans laquelle les plantes n'étaient pas bien entretenues. J'ai plus jamais acheté dans cette boutique, je vais évidemment pas vous la citer, c'est une boutique, voilà, un magasin à Bruxelles qui est pas bien tenu, les gens déjà n'y connaissent rien en plantes, enfin voilà, je pense qu'il va pas faire long feu ce magasin, par rapport à d'autres qui sont vraiment chouettes. Mais voilà, j'ai acheté cette plante là parce que j'avais fait le déplacement pour aller trouver des plantes et quand je l'ai vue, oui je la trouvais chouette mais en fait depuis je suis pas fan de cette plante. Alors vous allez me dire, ça ressemble au Florida Ghost, ben oui ça ressemble effectivement mais je trouve, allez j'ai qu'une seule feuille qui fait cette jolie forme, puis cette espèce d'énorme patate et puis les petites feuilles effectivement elles sont mignonnes mais en fait, je pense que je l'ai mise à un endroit qui ne la met pas forcément en évidence. Et quand les feuilles grandissent, elles ont effectivement une plus jolie forme.
Mais là, pour le moment, je ne lui apporte pas beaucoup d'amour. Je ne la trouve pas très belle, je ne l'admire pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite, la plante que j'ai regretté perdre, eh bien, j'en ai perdu beaucoup. Hein. Depuis que j'ai des plantes, forcément, il y a des erreurs, il y a des attaques. Des attaques d'indésirables, etc. Enfin, il peut arriver plein de choses aux plantes, hein. Mais c'est vrai que la plupart des plantes que j'ai pu perdre, c'est plutôt des erreurs d'arrosage, surtout au début. Et vraiment, ma plus grande perte, et vraiment en termes de place et même sentimentalement, c'est mon Pachyra aquatica. J'avais reçu un jour pour Noël un énorme Pachyra aquatica. Et j'ai vraiment mal géré l'arrosage de cette plante. Et c'est une plante que j'ai jamais vraiment comprise parce qu'entre-temps, j'en ai racheté un autre, un petit. Il va pas trop mal, mais c'est pas non plus la folie. Ce qui s'est passé, c'est que je lui ai mis une réserve d'eau qui visiblement ne lui convenait pas. Je crois vraiment que je m'en suis mal servie et que ça ne lui convenait pas du tout. C'était un énorme pot. C'était une énorme plante forcément. Et à partir du moment où je lui ai mis cette réserve d'eau en plastique, petit à petit, il a commencé à effectivement avoir le fond de son terreau très humide et le haut, hein, vous voyez, le pot était immense, donc forcément le fond était trempé et le haut était sec, et donc forcément je ne savais pas que c'était trempé et je continuais à arroser. Et donc je pense que c'est ça qui a fait que j'ai perdu ce Pachyra aquatica, c'est que je l'ai trop arrosé alors qu'avant je m'en occupais pas trop, je l'arrosais pas trop spécialement. Et à partir de l'arrivée de cette réserve d'eau, j'ai vraiment pas géré le truc et voilà, donc ça c'est pour le Pachyra. Ça c'est une grande perte quand même parce qu'en plus c'est un cadeau, c'était une très grande plante, j'avais un arbre dans mon appartement carrément et je l'ai perdu, voilà. J'aurais pu essayer de le sauver mais c'est un peu compliqué de dépoter une si grande plante, de la mettre un petit peu en eau, faut avoir vraiment le temps, faut avoir la place et voilà, c'est pas ce que j'ai pu faire, donc tant pis. Et alors, une plante que j'ai regretté de donner, alors je vais vous la montrer tout de suite, hein. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as encore alors que tu l'as donnée? Parce que je l'ai rachetée. C'est une plante que j'avais achetée petite, que j'ai commencé à voir grandir, que je trouvais mignonne, sympathique, mais je lui donnais pas forcément beaucoup d'amour. Voilà, il y a des plantes comme ça que j'aime bien, mais je me dis, bon, je pense qu'elle se plairait mieux chez quelqu'un qui l'aime bien. Et j'ai une amie qui justement l'a trouvée très jolie et je lui ai offerte. Et chez cette amie, la plante a commencé à bien pousser. Et puis je l'ai revue aussi dans certaines collections, notamment chez, pas mon gang vert, chez Verbobo. Elle en a une incroyable et du coup j'ai craqué, j'en ai racheté une. C'est le Philodendron Birkin. Alors vous allez me dire, ça ressemble à rien. Bah oui, elle est encore petite et donc forcément quand elle est petite, elle fait moins de blanc. Mais elle commence là à faire des feuilles blanches, ça commence à être très beau, d'ailleurs je vais devoir bientôt la rempoter. C'est vraiment une plante qui pour le coup maintenant m'apporte beaucoup de plaisir parce que je sais que quand elle sera grande, elle sera juste magnifique et c'est vrai que ses feuilles sont quand même sublimes. Je pense que j'en avais un petit peu marre de la voir partout et même en magasin, elle était tout le temps là et je sais pas, à force de la voir partout, j'avais plus trop envie de la voir chez moi. Et au final, quand je l'ai vue vraiment dans la collection de Verbobo, si grande avec tant de blanc, j'étais un peu subjuguée. Et donc, j'en ai racheté une petite qui, donc comme je vous dis, commence à refaire des feuilles blanches. Donc, je suis trop contente. Elle pousse bien, elle est plutôt pépère. Alors, je pense pas que le pot en terre cuite lui convienne. Je devrais nettoyer. Bref, je pense pas que le pot en terre cuite lui convienne vraiment. Il faudrait, parce que je dois tout le temps l'arroser. Du coup, ça veut dire que j'aurais plutôt la mettre dans un pot en plastique. Mais tant pis, pour le moment, je la laisse là-dedans. Ensuite, on vient parler de la plante qui fait ma fierté. Alors, j'en ai plusieurs. Et j'en ai une particulièrement parce que c'est une plante que j'ai achetée bébé et qui est devenue énorme. Et c'est vrai que c'est très rare, hein, des plantes que j'ai achetées il y a quelques années en tout petit et qui ont pu grandir jusqu'à devenir très grande. Et c'est mon tout simple, hein, Monstera Deliciosa. Je pense vraiment que c'est une plante qui fait ma fierté parce que je l'ai acheté tout petit, il n'était pas plus grand que ça. Sur Online Baby Plant justement, je crois que c'était ma première commande Online Baby Plant. J'avais bien réfléchi qu'est-ce que j'allais acheter il y a 2-3 ans il me semble, je ne sais plus. Et je l'ai vue pousser petit à petit et là elle est tellement grande que j'ai dû la mettre au-dessus d'une étagère parce qu'elle prenait beaucoup trop de place. Et c'est vraiment une plante, si je l'avais mise plus près de la lumière, elle aurait pu être encore beaucoup plus grande, mais bon, je l'ai mis quand même assez loin de la lumière, et elle a quand même malgré tout énormément poussé. Et c'est une grande satisfaction, parce que c'est vrai qu'en plus à l'époque, je connaissais pas très bien les plantes, je faisais un peu, je faisais des erreurs évidemment, encore maintenant. Et du coup le fait que ce tout petit bébé soit devenu si grand, ça me remplit de joie et de satisfaction, voilà.
Alors, la plante que j'ai en plusieurs exemplaires, alors j'en ai pas tellement. J'ai plutôt des pothos en plusieurs exemplaires. Je vous mettrai de toute façon des petits plans. Bah, j'ai le pothos néon dont je vous parlais dans la dernière vidéo. En plusieurs exemplaires, je les ai pas achetés deux fois. Hein. C'est simplement que je les ai bouturés pour pouvoir les faire cascader sur ma bibliothèque. Parce que ma bibliothèque n'a pas beaucoup de lumière, mais j'ai quand même envie qu'il y ait des plantes qui pendent, voilà, qui ornent ma bibliothèque, qui la rendent plus jolie. Mais en même temps, j'ai pas envie de sacrifier certaines plantes qui seraient très jolies avec beaucoup plus de lumière, notamment celle-là. J'ai préféré la placer carrément beaucoup plus près de la lumière pour qu'elle pousse plus vite, que sa couleur soit plus vive. Et donc, celle-là, elle est plus près de la lumière. Et donc, ces petites boutures sont dans la bibliothèque qui est plus sombre. Et j'ai plusieurs sortes de pothos que j'ai plusieurs fois. Donc, je vous montrerai hein, dans la bibliothèque. Voilà. La plante qui me fait des misères, et c'est là que je vous l'avais vu, je pense, dans ma vidéo, une de mes premières, enfin ma première vidéo sur cette chaîne, c'est une vidéo top et flop, et elle a encore évolué hein, depuis cette vidéo, je vous la montre. Il s'agit de mon philodendron verrucosum. Alors vous allez me dire, oh il est beau! Bah écoutez, oui, il est beau, mais il y a quand même cette feuille-là qui me dit merde, voilà, qui va pas très bien, elle a plein de soucis, vraiment, c'est vraiment une. Une casse-pied cette plante, soit elle va très bien et elle fait plein de feuilles, trop cool, et puis tout d'un coup il y a un problème au niveau de l'arrosage, au niveau je sais pas, bon là ça va encore hein, parce que je l'ai rempotée et donc la feuille qu'elle était en train de sortir, celle-là, s'est déroulée rapidement. Et oui c'est vrai qu'ici maintenant ça va, mais c'est vraiment la plante qui me fait le plus de misère. En plus, elle fait facilement beaucoup de poussière, vous allez me dire, bah, comme toutes les plantes. Mais comme elle est un peu duveteuse, elle égare ses poussières. Et donc, je dois constamment la dépoussiérer. J'ai toujours un peu de mal avec cette plante. Et franchement, vu l'âge qu'elle a, parce que je ne l'ai pas achetée récemment, je crois qu'il y a quand même, je sais pas, un an et demi, elle n'était pas toute petite non plus. Elle devrait être bien plus grande, elle devrait avoir bien plus de feuilles, elle devrait être juste splendide. Et là. Elle est jolie, hein, c'est pas ça, mais c'est un peu frustrant de se dire que j'ai dû couper des feuilles. Je crois que j'ai dû au moins couper 4 feuilles sur cette plante. Donc c'est un peu frustrant parce que c'est vraiment pourtant une beauté. C'est vraiment une plante que je trouve magnifique, que j'admire encore tout le temps. Et c'est d'autant plus frustrant du coup. Alors la question qui fâche, c'est la question, la plante que je garderai entre toutes. Et je ne sais pas, j'hésitais. Je me suis dit, soit une toute petite que je pourrais voir pousser. Avec le côté satisfaisant et tout, mais en même temps, bah si elle meurt, j'ai plus qu'une plante quoi. Donc c'est un peu, j'ai plus de plante du coup. Du coup, j'hésite entre mon Florida Ghost quand même parce que voilà, hein, j'en profite toujours pour le montrer parce que je le trouve splendide. D'ailleurs, il me fait enfin une nouvelle feuille, il me sort enfin cette nouvelle feuille. Oh, il est tellement beau. Ou alors mon Monstera variegata parce que c'est vrai que c'est une plante qui est arrivée pépère à la maison. Je sais pas pourquoi j'ai pépère, mais bref, elle est arrivée à la maison, elle a été très attendue, et elle m'a fait des feuilles petit à petit, elle a enfin comme une plante, hein, ça grandit Isabelle, hein, bravo. C'est quand même une de mes premières plantes chères que j'ai achetées, c'est vrai. Parce que quand j'ai commencé à avoir des plantes, j'ai acheté des petites plantes, des pothos, des trucs comme ça pour commencer à m'habituer. Mais vraiment, la Monstera variegata, c'est la première plante chère. Et c'est marrant parce que toutes ces années avec cette Monstera variegata, je voyais toujours des gens qui avaient des problèmes, qui avaient des thrips, des brunissements de feuilles. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec cette plante. Je la trouve vraiment chouette. Et c'est vrai que quand je l'ai achetée grande, elle était beaucoup plus. Elle était beaucoup plus robuste, évidemment. Et c'est vrai que chez moi, elle se plaît plutôt bien. Là, j'ai changé de place. J'espère qu'elle va se plaire parce que bon, elle a plus de lumière, elle a moins d'humidité, donc de temps en temps je la brumise un peu. Voilà, elle a un peu, elle est plus mise en évidence par contre, et c'est vrai qu'elle a plus de lumière, donc forcément elle peut encore plus se plaire et pousser encore plus vite. Donc on va voir si elle se plaira encore longtemps à ce nouvel endroit. Alors la plante que je recommande les yeux fermés, j'en ai deux. La première, c'est une dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, et l'autre, je vous en ai encore jamais parlé. J'ai tendance à l'oublier alors que c'est une de mes préférées. Donc je vous montre ça. La première, celle que je recommande les yeux fermés, bah, c'est toujours cette fameuse Malégolde que je vous présentais dans la vidéo Les plantes que personne n'aime sauf moi. Parce que je disais que je la voyais nulle part, je trouvais ça hyper frustrant. Et en fait, le truc, c'est que depuis que j'ai cette plante, que j'ai achetée assez petite, elle n'a pas arrêté de grandir. C'est le principe d'une plante, hein, mais plutôt bien quoi. Enfin, c'est vraiment une plante qui grandit bien.
et qui ne m'a fait jamais aucun problème. Je n'ai jamais eu de problème d'arrosage, je n'ai jamais eu de problème avec les trips. Elle a jamais eu de problème, même quand elle a eu 2-3 trips, ils ont disparu, je l'ai jamais traité. Enfin, voilà, j'ai vraiment l'impression que cette plante est une wonder plante. Enfin, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des trips là? Non, il n'y a pas de trips, mais je la trouve assez folle. En plus, elle pousse bien. En plus, quand elle a soif, ses feuilles penchent un petit peu. Donc là, elle a eu soif tout à l'heure, donc je l'ai arrosée. Donc elle n'est pas encore tout à fait à 100% de ses capacités. Donc elle penche encore un tout petit peu ici, vous le voyez. Mais sinon, elle montre quand elle a besoin de quelque chose. Hein, elle est hyper expressive. Et vraiment, elle est incroyable. Donc je vous la conseille parce que franchement... c'est une pépite. Et alors une autre que je vous conseille les yeux fermés, c'est une plante que je trouve sublime, mais alors il faut aimer ce type de plante. Je vous présente une de mes plantes préférées. Alors j'ai été longtemps, je vous ai dit déjà sur la chaîne, à la recherche de l'Euphorbia Lactea White Ghost. Je ne trouvais pas, à moins de payer très très cher, j'avais vraiment pas envie de payer 200€ une plante et de la faire importer de je sais pas où. Je préfère quand le site l'importe, enfin vous voyez ce que je veux dire, acheter sur un site hollandais ou tout, qui fait tout à ma place quoi. Et là je trouvais pas cette plante et en fait je suis tombée sur une plante de la même famille, c'est l'Euphorbia lactea, il me semble qu'il y a un autre petit nom, je vous mets de toute façon tout hein, ici, hein, toutes les informations. Je suis amoureuse de cette plante depuis que je l'ai, je l'oublie pas, je l'admire, je trouve en plus qu'elle est dans un cache-pot qui lui va à merveille. Elle est très simple d'une certaine manière, parce que bah déjà il faut presque jamais l'arroser, il faut quand même l'arroser hein. Mais c'est vrai que c'est assez simple, quand elle a soif en fait elle ramollit un petit peu, ici je sens bah voilà elle a eu à boire il y a pas longtemps et je sens qu'elle est bien dure quoi, non, voilà. Et on va passer à la dernière plante, c'est celle qui me fait rêver. Alors celle qui me fait rêver, je lève un peu les yeux au ciel parce que quand j'ai préparé cette vidéo j'ai noté le nom d'une plante. Et j'ai des problèmes avec cette plante. Donc une plante qui me fait rêver, c'est une plante que j'ai envie d'acheter. C'est le fameux Omalomena. Alors l'Omalomena, je ne sais jamais dans quel sens c'est le N et le M, mais c'est pas très grave. C'est une plante que je trouve splendide, que j'ai un jour achetée. Et effectivement, je vous avais dit hein, dans une autre vidéo qu'elle s'était retrouvée dans la chambre. Elle avait dû changer de place parce que, en fait, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu une énorme attaque de trips. Mais vraiment, les trips... ont foncé sur elle, je crois qu'elle attire vraiment les trips, et du coup je l'avais traitée, et je l'avais mise dans la chambre, et comme toutes les plantes qui finissent dans la chambre, bah elle est morte, hein. Voilà, je l'ai un peu oubliée aussi, enfin bref. Depuis j'ai racheté une autre Omalomena, que vous avez vu dans un unboxing, c'est une Omalomena rouge. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle est actuellement dans la baignoire, donc il y a à peu près une demi-heure, j'ai pris cette plante pour vous la montrer, et j'ai vu qu'elle avait des trips qui couraient sur elle, donc c'est-à-dire des trips adultes. Et je me suis demandé, mais depuis combien de temps sont-ils là? Est-ce qu'ils sont arrivés avec la commande? Ou alors, est-ce que j'ai une invasion de trips? Mais j'ai un peu regardé autour, je vois pas de trips sur mes autres plantes. Donc vraiment, j'ai l'impression que les trips sont concentrés sur cette plante-là. Donc là, je vais la traiter... je vais lui mettre, moi je fais ça vraiment à la barbare, je lui mets du savon noir pendant quelques heures, elle reste avec ce savon noir et puis je rince évidemment et je la remets à sa place où je l'isole et puis je recommence quelques jours plus tard ce traitement. J'ai pu éradiquer les trips sur une Maranta récemment comme ça, mais c'est vrai que j'ai quand même du coup passé une petite commande pour vous savez les petits cucumeris là dont je vous ai déjà parlé hein. C'est ces petits acariens qui vont manger les larves de trips, donc j'ai investi de nouveau, commandé ces petits bazars qui vont arriver voilà, dans quelques jours et je vais les mettre directement sur mon Omalomena parce que j'ai pas envie de perdre celle-là. Mais moi du coup ma plante rêvée c'est la Omalomena, la verte, la rubistène s'il me semble. C'est une magnifique, quand elle est grande elle est splendide, la forme de ses feuilles, ses nervures, c'est magnifique et je rêve de cette plante, mais en fait j'ai l'impression que je ne vais jamais pouvoir la voir parce que j'aurai toujours des problèmes de trips, voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était une petite vidéo là entre deux. La prochaine vidéo je pense que ce sera un petit vlog plante. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.